Bonjour Marion, on est super contente de te recevoir aux éditions Guérin-Paulsen pour la sortie de ton livre « Briser le plafond de glace ». Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce titre « Briser le plafond de glace » Bah, ma foi, c'était une bonne suggestion de Charlie Buffet, donc le responsable de la collection Guérin aux éditions Paulsen. C'était en référence au concept de briser le plafond de glace, comme quoi c'est un concept qui vient des États-Unis, selling glass, comme quoi on a remarqué dans les entreprises, il arrive un moment où dans la pyramide de la hiérarchie d'une entreprise, bah, les femmes elles bloquent. Alors il y a plein de raisons, soit les maternités, soit parce qu'elles-mêmes elles arrivent du mal à se faire confiance, à aller demander une promotion, soit parce qu'on leur fait pas confiance pour la promotion. Enfin voilà, il y a plein de petites raisons, voilà, et ça plus ça plus ça plus ça, bah, on voit que les femmes elles progressent moins dans les postes à responsabilité. Et moi, dans mon expérience, voilà, de mon parcours d'alpinisme, j'ai remarqué qu'il y a des moments, ben, j'ai pu briser quelques plafonds de glace, puis il y a des moments, ça bloquait. Du coup, j'ai bifurqué, j'ai fait d'autres choses, et c'est ce que je raconte dans ce livre. On peut dire aussi que tu as ouvert beaucoup de voies, parce que tu es la première femme au GMHM. À l'EMHM et la CRS Montagne. Ouais, je sais, c'est compliqué, il y a beaucoup d'acronymes. Oui, j'en ai brisé quelques-uns, évidemment, avec ouvert. Ouvert ou brisé. Voilà. Oh, j'aime bien briser le plafond de glace. Bah, ouais, c'est, tu vois le navire là, qui arrive dans l'iceberg, là, le Titanic. Et aussi grâce, évidemment, parce qu'il y a des hommes, hein, qui m'ont évidemment soutenue, toujours encouragée, qui m'ont invitée dans ces postes-là, qui m'ont fait confiance, qui ont repéré du potentiel et de la motivation. Et donc, j'ai pu rentrer au groupe militaire d'haute montagne en 2008, ce qui n'avait pas été possible pour une femme depuis la création du GMHM dans les années 80. Le groupe militaire d'haute montagne, c'est le groupe d'élite de l'armée française, c'est la vitrine du savoir-faire, de l'expertise en alpinisme. On a fait des expéditions lointaines, de la haute altitude, du chaud, du froid, surtout du froid. Sur la glace, l'Antarctique, enfin, bref. Après, au bout de 3 ans et demi, j'ai demandé à devenir instructeur à l'école militaire de haute montagne. Donc tout ça, c'est aussi à Chamonix. Depuis la création de l'EMHM en 1930, il n'y avait jamais eu de femme. Moi, j'arrive en 2012, je suis caporal-chef et mes missions, ça va être d'emmener les chasseurs alpins en montagne et de leur apprendre toutes les techniques de l'alpinisme et du ski de randonnée. Donc un métier vraiment de dingue et je me suis éclatée. Mais ce n'était pas forcément toujours évident de se faire sa place en tant que première femme et seule femme. Il y a une deuxième femme qui est arrivée en 2019, je crois, 2020. Voilà, mais depuis, ben, ça stack quand même. Le GMHM, il n'y a toujours pas eu de deuxième. Alors, ils n'en ont pas trouvé, elles n'ont pas osé postuler. Enfin, voilà, il y a des plafonds quoi, qui sont encore là. Et puis, en 2015, je rentre à la police nationale. Et en sortie d'école, en 2016, je rejoins les secouristes CRS Montagne. Donc, c'est la spécialité de la police nationale pour le secours en montagne. L'équivalent des PGHM, peloton, gendarmerie, haute montagne chez les gendarmes. Et là encore, je me rends compte que, ben, ouais, il n'y a jamais eu de femme, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de femme en CRS, maintien de l'ordre, gardien de la paix, au grade de gardien de la paix jusqu'à 2014. Et moi, quand j'arrive en 2016, dans la spécialité réputée la plus dure de la police nationale, l'équivalent des forces spéciales, bah, ça fait un petit peu drôle au sein de la police. Et c'est vrai qu'avant moi, bah, soit les femmes, elles n'y avaient pas pensé, soit on leur avait mis des bâtons dans les roues aussi. Il y a des témoignages où on leur a dit, bah, clairement, non, ça va être compliqué, tu ne peux pas aller en CRS montagne, il n'y a déjà pas de femmes en CRS. Et donc en 2016, bah, tout se bidoule bien. Il y a des supérieurs qui sont ravis de m'accueillir. La police nationale ouvre ses portes à cette spécialité. Moi, j'ai le diplôme de guide de haute montagne entre-temps, donc j'ai toutes les compétences techniques et je peux rejoindre la spécialité. Donc là encore, il n'y avait jamais eu de femme avant moi depuis la création du secours en montagne en 1957. Et puis aujourd'hui, on est 4 femmes sur 200 agents. Donc on va dire que tu as essuyé les plâtres, c'est toi qui as dû les éduquer, tous ces hommes, cet environnement masculin, et c'est ce que tu racontes dans Briser le plafond de glace. Ouais, il y a eu quelques plâtres, oui, dans le sens où bah, c'est vrai que je dénonce tous ces comportements sexistes qui sont... bah, qui sont pas des fois graves et puis parfois pas très graves. Ça s'appelle le sexisme ordinaire, c'est ces petites blagues, ces petites remarques et puis ces clichés sexistes qui nous collent aux chaussons, comme quoi les femmes, elles sont nulles en orientation, elles savent pas faire des efforts longs, elles peuvent pas porter des gros sacs, elles ont tout le temps froid, chaud. En montagne, elles font que de se plaindre, elles ont vite peur, elles ont tout le temps envie de faire pipi. Ça, c'est des clichés qui nous collent et qui nous suivent et qu'il faut combattre tout le temps au quotidien quand on est dans des milieux professionnels voilà, de la montagne, exclusivement masculins, plus particulièrement que ce soit l'armée de terre ou parfois aussi encore la police nationale. Ou quoi qu'à la police nationale, il y a beaucoup plus de femmes et c'est beaucoup plus facile de se faire sa place, même si je suis dans un groupe de spécialistes. Et j'espère ouvrir la voie d'autres femmes. Moi, j'ai très envie de partager ces métiers. Ce livre, c'est aussi dénoncer le milieu, mais aussi surtout partager ces métiers qui sont très méconnus. Enfin, moi, j'avais aucune idée que le GMHM existait, que j'aurais pu être un jour alpiniste professionnel, et j'avais encore moins
imaginer que ça se ferait dans l'armée de terre ou dans la police nationale. Pour moi, alpinisme, qui était quelque chose de c'était une passion, c'était fun, être là-haut, c'était à la liberté, ben pour moi, ça rimait pas avec armée de terre et police nationale. Tu vois, c'est deux trucs qui, à la base, je voyais pas le rapport. Et en fait, ben, si, y a des métiers de dingue dans ces milieux-là. Et j'ai aussi à cœur de les montrer, de montrer que c'est possible aux femmes, que ça existe et que c'est juste génial. Super. Bah, merci beaucoup.